allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui me tient énormément à cœur. Comment choisir son manteau de couleur et comment l'associer avec un look au complet. Et ce sont les membres de ma formation Révélez votre style et rayonnez qui vont être les mannequins du jour. Je suis trop contente, j'ai beaucoup de gratitude et de plaisir à publier les looks des membres de ma formation. Je suis tellement contente de les voir se transformer, se révéler. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Merci, merci à toutes mes membres, merci à Laetitia, Rebecca, Samira, Anna, Christine, voilà, vous êtes 300 dans la formation, donc merci aussi à Nathalie, Claire, Anne, Anna, Sylvie, voilà, Nathalie, voilà, vous êtes hyper nombreuses à partager vos looks dans le groupe Facebook de la formation et donc ça me fait trop plaisir parce que je vous vois évoluer et là c'est la folie, manteau de couleur, vous avez été hyper inspirées, je trouve que vous avez fait des looks canon, donc je suis trop contente. Alors on y va, je vous partage 10 manteaux de couleurs, 10 associations très réussies, des couleurs qui sont jolies et qui vous vont bien au teint. Donc merci à mes membres et je suis trop contente, voilà. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir et c'est tellement important en tant que créateur de contenu. Vous pouvez vous abonner sur le bouton qui s'intitule « Vous abonner » juste en dessous et aussi déclencher la petite cloche. Alors, on y va sur les magnifiques looks réalisés autour de manteaux de couleur. Donc, premier look, celui de Laetitia, femme automne, qui met un manteau kaki qui lui va très très bien et qui fait une association de couleurs très réussie avec notamment son pull. Voilà, bravo Laetitia, j'adore ton look. On continue sur le look de Laetitia, notamment avec un manteau terracotta. Ça aussi, c'est une couleur très joyeuse et très belle pour les femmes automne et printemps, c'est canon, canon, canon. On continue sur les couleurs chaudes, c'est vrai que souvent on me dit « Ah, on voit pas assez de couleurs chaudes », donc c'est cool parce que j'ai beaucoup de membres dans ma formation qui sont des femmes printemps et automne, donc là notamment avec un très joli look de Sabrina, avec un manteau très classe, camel, une couleur qui est très élégante et... c'est un manteau qui est très efficace. Bravo Sabrina. On continue avec Samira avec un manteau un peu plus beige, un peu mastique, qu'elle vient rehausser avec un pull plus soutenu. Ça, c'est une très bonne idée pour une femme automne comme toi. Bravo. On va voir aussi le trench kaki clair de Samira qui est très joli et qui s'associe très bien avec la couleur orangée du léopard. Et là, nous arrivons sur les looks des femmes hiver. Proposition 1 de Sarah avec un ton sur ton entre le pull et le manteau. Ça aussi, c'est une astuce très efficace. Donc bien sûr, il faut bien connaître sa colorimétrie. Mais quand on la connaît, on a tous nos vêtements qui vont ensemble. Et donc, bravo Sarah pour cette association très réussie avec notamment aussi le foulard dans la même tonalité. Et enfin, un look d'Anne qui est très beau aussi avec une tonalité très contrastée de deux couleurs très soutenues. C'est canonissime. Bravo Anne pour cette association de manteau violet, d'avoir osé porter du violet avec ce joli pull fuchsia. Et enfin, pour montrer que l'on peut porter ce manteau de différentes façons, Anne nous fait une autre proposition avec son manteau violet et un top plutôt parme. Je suis mais tellement contente de vous voir évoluer, de vous voir porter des couleurs qui vous vont si bien. Je vous sens tellement confiante, embellie dans ces couleurs, ça me rend particulièrement heureuse. Merci à toutes ces membres qui acceptent que je publie leur look ici. Merci à vos efforts et à votre énergie, votre motivation qui a permis à votre dressing d'évoluer dans le bon sens pour vous sentir vraiment très belle et révéler tout votre potentiel. Donc je suis mais aux anges de faire ces vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire le look et le type de couleur que vous avez envie de porter et peut-être le manteau que vous avez préféré. N'hésitez pas à préciser aussi si vous aussi vous avez un manteau de couleur et comment vous l'associez. Je rappelle que j'ai un guide gratuit qui va permettre de déterminer votre colorimétrie si vous ne la connaissez toujours pas et aussi des astuces pour associer les pièces entre elles. Donc je vous partage mes meilleures astuces pour faire des looks réussis et si ça vous intéresse,
Le guide est juste en dessous. Je vous enverrai aussi toutes mes newsletters hebdomadaires. Tous les dimanches, vous recevrez dans votre boîte mail une newsletter avec des conseils, des looks inspirants et la nouvelle vidéo qui sort. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram. Je vous embrasse.